petite variante qu'on a sur cet appareil-là, qui est relativement intéressant, c'est qu'il n'y a plus de réducteur. On a un moteur direct en prise sur la poulie. Donc c'est un moteur qui tourne très lentement, à pleine vitesse, on est à 21 tours minute. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on est sur des gares qui sont relativement silencieuses, qui prennent moins de place à l'intérieur, enfin vous verrez bien. Parce que... Les brières de la partie motrice se trouvent en amont, si on a possibilité d'avoir l'électricité ici. Parce que c'est pas toujours le cas, par exemple sur Saint-Sorlin, vous avez l'Odol, qui est une gare motrice en bas, en aval, parce que l'électricité n'arrive pas au sommet. Okay. Une question de facilité. Pour le constructeur, il préfère avoir la gare motrice en amont. Plus facile de tirer un câble que de le pousser. Donc voilà, vous avez les deux courroies qui sont là, qui servent à l'entraînement des pneus. Okay. Ces courroies sont prises sur les galets, qui sont ici. Et après, on est sur tout un système de poulies courroies, sur tout le long, avec diminution de poulies, de galettes de poulies. Donc vous pouvez le voir au fur et à mesure que vous avancez, qu'on a à chaque fois des diamètres différents. L'idée, bien sûr, c'est de ralentir le siège quand il arrive en gare. Donc là, on le voit arriver en gare, et après, il y en a une palanquée de capteurs, si on le suit. Là, ici, c'est capteur position de la pince, savoir si elle est bien prise sur le câble ou pas, avec des racleurs de glace. Là ici on a les capteurs de position du câble, parce que bien sûr tout ça c'est des pièces d'usure, et des pièces aussi qui peuvent casser, des axes qui peuvent casser, donc on a une palanquée de sécurité là-dessus. Donc là l'Edmer nous a fait un direct drive, moteur en lui-même, 16 tonnes à peu près. On a pour faire tourner ce moteur là, on a 4 variateurs, au lieu d'en avoir un rotor et donc plusieurs stators dedans. Ou arrêter le cadencement, on a toute la partie cheminement, on va gérer tout ce qui est capteur, donc les différents capteurs justement qui surveillent un petit peu la position du câble plus la position des pinces. Ils sont bien ouverts ou bien fermés. Non. Alexis, il y a du 15 cm pour toi là. Oui. Alexis, c'est tout, sur tout propre. Sans plus, ce qu'elle nous en posait, bah, nous, on va Du coup, bah, la première, c'est 10 commandements, je connais pas. Bah déjà c'est faux. Ah ouais. Je les connais pas. Moi je les connais pas non plus. C'est pas les 10 commandements, c'est les commandements. Non, il est validé. Non, c'est validé à moitié parce qu'il a pas fini la phrase. Non, c'est validé. Non, on valide. C'est validé. On peut parler qu'à mort, par exemple. Tes aînés, tu respecteras. Alors là les gars, je suis un aîné aussi. Non mais tes aînés en études. Amis, respect. Le respect. Non mais par contre, Mike, je suis pas d'accord, la première phrase, il a dit tes commandements tu connais. Oh, c'est bon, allez. Il a oublié où un gars. Oui, bon. Du coup, après, j'ai dit quoi? Dis les aînés. Les aînés, tu respecteras. Les aînés. Ça fait deux, déjà. Ça fait deux? Deux sur combien? Sur 12? Ok, je peux les dire dans le désordre. Bah ouais, oui. Ok, fais des selfies avec l'eau. Fais des selfies avec l'eau. Fais des selfies. À niveau culture, on a besoin d'air et d'eau sous pression. Donc en fait, tout ça, c'est une machinerie qui nous permet d'envoyer de l'air et de l'eau sous pression. Donc il y a tout qui vient de la retenue collinaire que vous avez là-haut, qu'on va aller voir après. Donc on a une rétention d'à peu près 100 000 m3 d'eau. Et tout arrive en fait d'ici. Vous avez une grosse conduite en 300 qui arrive. On amène toute l'eau directement sur ces pompes. Donc là, c'est 5 pompes
Vispachelot, Corbet, Saint-Jean-d'Arc. On a deux secteurs à alimenter. Donc sous pression, on part à peu près à 35 bars de pression ici. Et vous avez sur les enneigeurs que vous avez déjà vus, donc une araignée sous terre de conduite d'eau et d'air. C'est là que vous allez avoir le mélange qui va se faire. Après, je vous montrerai un petit regard et puis on verra tout ça ensemble. Donc tous les armoires électriques, tout ce qu'il y a ici, c'est donc tout ce que vous avez, c'est tout contrôlé électriquement, aussi bien mécaniquement qu'électriquement. On a une grosse partie dialogue. Donc le dialogue, en fait, c'est un peu une connexion informatique qui nous permet de, entre guillemets, discuter avec tous les regards qu'on a sur le domaine skiable. Donc dans chaque regard, on a une vanne motorisée qui nous permet de gérer l'eau et l'air qu'on va envoyer dans la perche et qui va sortir directement par la tête, qui est calibrée et ça va nous fabriquer notre morceau de neige. Donc elle fait 100 000 mètres cubes d'eau au complet, donc par hiver on fait à peu près minimum de retenue complète, voire plus. Donc la retenue, comment elle est faite, donc tout a été fait manuellement, hein, c'est rien de naturel. Sous tout le confinement que vous voyez, donc gravier, tout ce qu'il y a en dessous, c'est rien de plus qu'une géomembrane.